Au vu du nombre d'inscrits et de participants, ben on voit que c'est un sujet aussi où vous vous sentez vraiment concerné, intéressé. Donc on en est ravi. Pour ceux qui nous connaissent pas, donc on est David et Mirana. Pourquoi on a choisi ce métier? Parce que en fait, on a eu un parcours difficile tous les deux et on a connu les difficultés que vous rencontrez vous aussi. On a connu le célibat, on a connu les relations difficiles, les séparations, les relations toxiques. On a vraiment eu un parcours, je vais pas dire chaotique, mais ça a été vraiment les montagnes russes. Et que aujourd'hui, à travers toutes nos expériences respectives à tous les deux, eh ben aujourd'hui on a su mettre ça à profit pour pouvoir accompagner justement ben voilà les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie et dans leur relation amoureuse. Voilà, c'est notre parcours qui nous a vraiment permis aussi de pratiquer les outils, de les approfondir et de voir à quel point eh ben, on peut transformer une vie si, si on comprend comment fonctionnent les émotions, comment les vivre, comment les intégrer et après se positionner en tant qu'adulte. Et ça, c'est vraiment tout le fruit de notre expérience, de nos échecs. Et on va vous transmettre ça dans ce live. La dépendance affective, comme on l'a dit au précédent live, c'est une maladie émotionnelle. C'est une incapacité à vivre ses émotions à l'endroit, à aller à l'intérieur, à aller au bout d'une émotion, justement à aller là où il y a une émotion, sans chercher à compenser à l'extérieur, par la relation. Donc en fait, plus vous êtes intime avec vous-même, dans le sens plus vous êtes capable de vivre vos émotions, de comprendre vos émotions, parce qu'il y en a qui pleurent mais sans surface. Plus vous pouvez vous rendre à la relation de façon libre et laisser l'autre libre aussi, et vivre une relation épanouissante.